Good morgen, allez, Idan, les sutres aujourd'hui, le lunchmat, Amram Yuna ben Machlou, ben Chana, Machlouf Micha ben Masuda, Rivka, Bat, Levi, Yitzrak, Avram Chayenor, ben Fortuny, Mazal, Dov, ben Yehudit, Nissan ben Mafret. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Michel, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Midot, Perek Aleph, Mishnatet, ou Mekom Haya Sham, Ama al Ama, Betavla, Shel Shaish, Betabat, Haïta, Kevu, A, Ba, Bechal Shelet, Sham, Aftechot, Ayut, Loyun, Ba, הגיעה זמן הנעילה, הגביה את הטבלה בטבעת, ונטל את המפתחות מן השלשלת, ונעל הכהן מבפנים, ובן לוי ישנו מבחוץ. גמר מלנעול, החזיר את המפתחות לשלשלת, ואת הטבלה למקומה, ונתן כסותו עליה. ישן לו. ערה קרי באחד מהם, יוצא והולך לו במסיבה הולכת תחת הבירה, והנרות דולקין מכאן ומכאן, עד שהוא מגיע לבית הדבילה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, במסיבה הולכת תחת החיל, יוצא והולך לו בתדי. Et on commence à expliquer notre Mishnah, qui est assez riche, on va essayer de la faire relativement court. On est, depuis maintenant, depuis le Mishnah Vav, on explique le Bet HaMoked, qui était une grande salle qui se trouvait, qui était annexe donc dans la, à la Hazara. Il y avait une grande salle, c'était en fait une porte d'entrée, dans laquelle il y avait dedans une grande salle, on faisait toutes sortes de choses, il y avait plein de choses. On avait appris déjà qu'il y avait plusieurs cabines, il y avait quatre cabines dans les quatre coins, on avait appris leur utilité, les corbanotes qui s'y trouvaient, les pierres des Hashmonaïm, et un accès qu'on va encore évoquer dans notre Mishnah pour aller au Migvé justement, on va expliquer dans quelques secondes. On avait aussi expliqué qu'il y avait des rangées de pierres dedans, sur lesquelles des rangées de pierres qui dépassaient du mur pour que les Kohanim pouvaient se reposer, et il y avait aussi des Kohanim qui dormaient par terre. Et à présent, notre Mishnah, elle va s'intéresser à deux choses. D'une part, expliquer un petit peu le principe, les clés de la Hazara qui se trouvaient là-bas. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, parler de celui qui a eu une pollution nocturne, un kéri, pendant qu'il a dormi dans la Hazara. Ce sera la fin de la Mishnah, un sujet qu'on a déjà évoqué dans ma Sechet Tamid, qu'on va revoir un petit peu plus concisément cette fois-ci. Et la Mishnah commence à me raconter. Oh, mais comme Hayasham Ama Alama. Il y avait là-bas, donc dans ce Bet HaMoked, dans cette grande salle où il y avait le fameux feu qui brûlait pour que les Kohanim puissent se réchauffer. Il y avait aussi un endroit, un poteau qui sortait, qui avait une taille de Ama à Lama, une distance de une coudée sur une coudée, entre 48 et 60 cm, sur le niche en premier. Vetavla shel Shaish, il y avait au-dessus une plaque de Shaish, de marbre. Vetabaat haitak vuaba, il y avait sur elle un anneau, ça servait de poignet pour lever le couvercle en fait, comme ce qu'on va voir tout de suite. Et une chaînette sur laquelle étaient suspendues les clés. J'explique un petit peu plus dans les détails, tel que le Tiferet Israël l'illustre, c'est le seul qui a fait le travail sur le DAF, a expliqué bien comment ça se passe. En fait, c'est simple, le but c'est de nous expliquer qu'il y a les clés de la Hazara qui sont très bien gardées. Comment elles sont gardées ces clés de la Hazara? Eh bien, il y avait une sorte de poteau, qui était en fait un peu creusé à l'intérieur, avec dessus un couvercle en marbre, donc qui était long, qui avait une poignée, que de l'autre côté de cette plaque de marbre, eh bien il y avait en fait, c'était un petit peu creusé, et il y avait dedans les clés qui étaient fixées avec une chaînette qui était enfoncée dessus. Donc, quand on ne veut pas, quand on veut cacher les clés, eh bien on met ce couvercle avec dedans, donc il y a en dessous les clés qui rentrent bien dans le creux, et on a un poteau avec une jolie petite table en marbre, avec une petite poignée, un anneau qui dépasse. Et lorsqu'on le lève, eh bien, il y a les clés qui vont forcément se suspendre. Et c'est ce que la machine explique, d'accord? Je refais dans les mots. Bon, mais comme il y a Sham Ama Lama, il y avait là-bas un poteau, un lieu qui faisait une distance de Ama à Lama, une Ama sur une Ama, une coudée sur une coudée. Mais Tabla Shal Shaish, il y avait sur ça une plaque, une table de marbre, et il y avait sur cette table un anneau qui était fixé, et en plus de ça, une chaînette, que le Tiferet Israël explique, c'était en dessous, sur laquelle les clés étaient suspendues. Maintenant, on va commencer à s'intéresser à la fermeture des portes de la Hazara. Igiazman Aneila, lorsqu'arrive l'heure de fermer les portes, alors, eh bien, Higbia et Tatavla Batabat, il soulevait la plaque de marbre par la Tabat, par l'anneau qui était fixé,
Venatal et Amaftechot mina shalshelet. Il ressortait, il décrochait les clés de la chaînette. Venaal a Kohen mi bifnim. Et le Kohen va les fermer, le Bet Amoked, depuis l'intérieur. Il va claquer les portes, et puis là-bas, il va les fermer avec les clés. Ou Ben Lévi, Yachen lo mi bachout. Et alors là, quelque chose de très étonnant. Et le Lévi, il restait dormir dehors. Et le Barthénois, si vous voyez, il nous dit non, non, non. Il faut dire Vakoin mi bifnim, ou Ben Lévi, Yoshev lo mi bachout. Il était assis dehors. Il n'était pas question qu'il va s'endormir. Le Ben Lévi, il est censé monter la garde. On explique très succinctement ce qui se passe dans le Batanoura qui nous explique qu'en fait, il y avait dans trois endroits, il y avait les Kohanim qui montaient la garde et les Lévim qui montaient la garde. Malgré tout, les Kohanim, ils montent la garde de manière plus privilégiée, dans le meilleur endroit, plus agréable, plus facile. Et les Lévim, ils doivent le porter, ils doivent monter la garde là où c'est concrètement plus utile, mais moins agréable. D'accord ? Et comme disait la grand-mère de ma femme, c'est loin du front que l'on trouve les vieux soldats. C'est un peu le même principe. Les Lévim, ils montaient réellement la garde, mais ils avaient plus de froid la nuit, ils étaient plus confrontés aux intempéries, alors que les Kohanim, ils étaient bien au chaud à l'intérieur. Le Barthénois nous explique quelque chose de très intéressant. C'est qu'en fait, il y avait donc il y avait 21 endroits où les Lévim montaient la garde, et 3 endroits où c'était les Kohanim, comme ce qu'on avait appris au début de Midot. Mais précision importante. Il y avait dans les trois endroits où les Kohanim montaient la garde, il y avait aussi les Vim qui montaient la garde au même endroit. Mais ils ne montaient pas de manière, ils montaient pas la garde de manière mélangée. Et les Kohanim étaient à une place et les Lévim à une autre place. Les Kohanim dans la place privilégiée, en l'occurrence à l'intérieur du Bet HaMoked. En général, c'est-à-dire dans les deux autres endroits, on parle de portes où il y avait une cabine en dessous et un balcon au-dessus. Donc on disait aux Lévim, bon, toi tu montes au-dessus. Et le Kohen, il reste en dessous. Le Bet HaMoked, on avait dit qu'il était sous forme de coupole. Donc, on ne pouvait pas monter dessus, monter la garde. Du coup, il y avait le Kohen à l'intérieur et le Ben Lévi qui restait à l'extérieur, qui montait la garde de dehors. Ok ? Du coup, il ne faut surtout pas dire que Ben Lévi yachène l'omi par contre, parce que le Ben Lévi restait dormir dehors. Parce que s'il dormait, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on lui faisait ? On partait, on le tapait, on pouvait lui brûler aussi son vêtement. Donc il n'était pas question de dormir quand on monte la garde, au contraire. Donc il faut dire « Yoshev l'omi bachutz » comme ce que le Batanoura directement nous dit. C'est même pas qu'il dit de changer la girsa, qu'il dit de changer la forme et la version, c'est que c'est écrit comme ça dans sa Mishnah. Et on continue. Ensuite, une fois qu'on a laissé le vide dehors, donc « Gamar milin ol » il a fini de fermer, c'est-à-dire de fermer toutes les portes aux entrées de la Hazara aussi, je pense. C'est plus précisé, ça m'embête un peu d'ailleurs, parce que je m'attendais à ce qu'on allait parler des portes de toute la Hazara, et puis on se met à parler que des portes du petit Bet HaMoked. Mais je pense qu'il partait fermer toutes les portes aussi, même si c'est pas précisé. Peut-être que ça va t'expliquer plus loin, j'ai un peu oublié la Mishnah pour le moment. Et voilà. Donc, Gamar Milenolé, la fine de tout fermer, qu'est-ce qu'il fait? Chazir et Amaftechot, la Shalshelet, il repartait sur la fameuse plaque de marbre, il remettait les clés à leur place, Vet Atavla Limkoma, et il remettait ensuite, il remettait le couvercle, la table, il la remettait à sa place. Et attention, Nathan Ksuto Alea, et ensuite il mettait dessus son vêtement dessus pour bien recouvrir le tout. Yashan lo, et ça y est, il pouvait partir, dormir, il avait besoin de la garde. La garde des Kohanim, j'avais oublié de le préciser dans la Mishnah en haut. La garde des Kohanim, en fait, il fallait la monter depuis l'intérieur de la Hazara, et il se relayait toutes les heures, on réveillait un autre Kohen, on lui disait, toi tu montes la garde, et l'autre il partait se coucher. Ok ? Maintenant, nouveau sujet qu'on va parler, qu'on a déjà évoqué plus longuement dans ma Maseret Tamid, là ça va être plus concis, mais en découvrant malgré tout deux petits détails importants. Eralo kerim bechad mehem. Bien évidemment, ça arrive lorsque l'on dort, et bien parfois on a des pollutions nocturnes, un épanchement, et dans ce cas-là, l'homme devient impur avec ça. Or, on a un grand problème. Un Baal Keri n'a pas le droit d'entrer dans la Hazara. Un Balkiri, ça s'appelle un Balkiri, celui qui a un épanchement, qu'il a eu consciemment parce qu'il a eu un rapport, ou bien qu'il a eu même inconsciemment parce qu'il a dormi, il a eu un accident, eh bien, il a une impureté qui s'appelle Balkiri. On en parle longuement pour ceux qui font de la Vayomi, en ce moment, dans les Mishnah de Brachot, dans les Gemarot de Brachot, d'Afraf Bet, on en parle longuement. Donc il est Balkiri. Balkiri n'a pas le droit de rester dans la Hazara, en théorie. Donc de ce fait, il doit sortir dehors. Le problème, c'est que les portes sont fermées pour le moment. Et c'est peut-être la nuit même.
Une chose est sûre, c'est qu'il doit déjà partir vite se tremper au mikvé et attendre. Deux trucs. Comment partir au mikvé? Ou aller au mikvé? Bon, ça, il n'y aura pas de discussion. Mais comment partir au mikvé? Et après, comment attendre? Et après, que faire dès qu'il peut sortir? C'est un peu le sujet qu'on va voir tout de suite dans la Mishnah. Je traduis tout d'un trait, après on met le zoom sur les détails et on explique. Era keri bechad mehem. L'un a une pollution nocturne. Eh bien, yotze veolech lo ba mesiba o lechet tachatabira. Il va devoir sortir tout de suite et partir dans le souterrain qui va sous le Bet Amigdash, va Nerot Dolkin Mikan Mikan, et il y avait des bougies qui étaient allumées de ci et de là pour qu'il puisse marcher et voir son chemin. Adjiumagia et Bet Advila, jusqu'à qu'il arrivait au Bet Advila, à l'endroit où le Bet Advila, le Mikvé de la Hazara, en l'occurrence, où les Kohanim partaient se tromper, il me semble qu'il est ici de l'autre côté. En fait, il était ici au Bet Amoked, il va devoir passer ici. Comment il fait? Il ne peut pas traverser la Hazara, pas question. On ne traverse pas la Hazara quand on a cette impureté-là. La seule chose qu'on va pouvoir lui faire, c'est de passer par un souterrain. Et on va expliquer c'est quoi le principe du souterrain. Ok? Jusqu'à qu'il arrive au Bet Advila. Après, dans ma Masechet Tamid, on est entré dans beaucoup plus de détails en expliquant qu'il y avait là-bas des toilettes, qu'il devait d'abord partir se soulager un petit peu avant de partir se tremper pour éviter qu'il y ait encore des restes de Touma qui vont être là. Et puis, du coup, on expliquait là-bas c'est quoi le Bet Akisé, Beit Shel Kavod, Bet Akavod, on l'appelait. Et voilà. Pour le moment, la Mishnah s'arrête là pour Tanakama. Et me dire que, bon, il est parti au Bet Advila, donc il s'est trompé. Comme le rituel le requérait, comme c'est expliqué dans Masechet Tamid. Pour le moment, la Mishnah vient et m'enseigne que Rabbi Elazar ben Yaakov, Omer, Rabbi Elazar ben Yaakov me dit non, ben mais si bas à Olechet Tachatachel, il partait pas avec ce tunnel qui passait sous la Hazara, sous la Bira. La Bira, ce qu'on appelle la Bira, c'est le Kodesh HaKodeshim, c'est le palais royal d'Hachem. Et non, et le souterrain ne passait pas par là-bas, mais quoi? Messiba par le souterrain à Olechet Tachatachel, par le souterrain qui passait sous le Khail. Sous le Khail, on avait dit que c'était sous la barrière qui fait le tour de la Hazara, par l'extérieur. Et la Mishnah conclut en me disant Yosef Olechlo, Batedi. Et après, il sortira et il sortira par le Tedi. La Mishnah aussi, dans Masechet Tamid, m'expliquait que, selon Tanakama, lorsqu'il avait fini de se tremper, il repartait chez ses amis, à côté de ses amis, au Bet HaMoked, et apparemment, le Rabbi Elazar ben Yaakov discute. Et je fais de l'ordre un petit peu dans tout ce qu'on a lu, parce que c'est un peu flou, j'imagine. Pour moi, c'était flou quand j'ai étudié, j'ai dû passer longtemps pour bien comprendre ce qui se passe dans cette Mishnah, beaucoup comparé avec Tamid, jusqu'à que j'ai plus ou moins Bezant Hashem. J'espère que j'ai bien compris et que je vais bien vous expliquer. Regardez, ça c'est très simple. Il a eu, vous vous rappelez, je vous avais dit, quand je dis que c'est très simple, c'est que ça va être très dur. C'est pas vrai, ça est plus ou moins un peu plus complexe, mais ça va aller. Le Bet Advila, il se trouve ici. Lui, pour le moment, il dort ici. Il dort ici. Maintenant, tout d'abord, il y a deux niveaux d'impureté. Lorsqu'on a un Balkiri, alors il y a l'impureté d'abord, quand on se trompe au Migvé. Une fois qu'on s'est trompé au Migvé, alors on reste quand même impur jusqu'à Uba Shemesh Vetaher, jusqu'à que la journée va se finir. D'accord? Toute la journée où on s'est trompé au Migvé, on a une impureté allégée. On a réussi à la faire partir, mais pas complètement, jusqu'à que la journée finit par passer. Maintenant, il doit se tremper ici. Or, il est là. Pour le moment, toute la Hazara, on est tout à l'intérieur du Harabait, il y a une Gdusha de Machane Leviya, au minimum. Une Gdusha, on apprendra un peu, on évoquera un petit peu, qu'il y a différents niveaux de Gdusha au Bet Amigdash. Le plus Kadosh, c'est cette Hazara. C'est le top de la Gdusha. C'est le Machane Shrina. Ça s'appelle le camp de la Shrina, en rapport avec nos ancêtres qui étaient dans le désert, il y avait trois Machanés, Machané Israël, Machané Levia, Machané Shrina. Et chaque niveau a un niveau plus fort. Tout autour de la Hazara, on est dans le Machané Levia, le camp des Lévim, comme autour du Bet HaMikdash, il y avait le Mishkan au milieu, et il y avait autour les Lévim. Maintenant, dans tout le Machané Levia, aussi le Balkéri n'a pas le droit d'entrer, mais c'est un interdit moins grand, c'est un interdit que Midrabanan dans l'été. L'interdit du Balkéri, c'est d'entrer ici uniquement, mais pas dans le Machane Leviya. Dans le Machane Leviya, c'est un interdit qui n'est que Midrabanan. Ok, c'est la donnée super importante. Ça veut dire que maintenant, il a eu une pollution nocturne, il est pour le moment dans le Bet HaMoked. Vous vous rappelez, le Bet HaMoked, on avait dit qu'il était séparé en deux, il y avait deux Gdushot différentes.
la super Kdusha dans la partie interne, où les Kohanim pouvaient même manger les korbanot là-bas, parce que c'est considéré comme la Hazara. Et la deuxième partie, la partie plus externe, où il y avait une Kdusha de Machane Leviya. Vous vous rappelez, on avait vu aussi qu'il y avait ici dans le coin, il y avait une cabine par laquelle en fait il y avait un escalier pour partir en dessous, pour pouvoir partir sur le trampoline. Donc maintenant, je refais le point maintenant sur ce qui se passe. Il a une grande impureté. Donc, il ne doit absolument pas rentrer dans la Hazara. Il doit rester au-delà de la petite barrière de sécurité qu'il y avait à l'intérieur. Il ne peut plus jamais rentrer en dessous. Il doit passer de l'autre côté. Comment il va faire pour passer de l'autre côté? On est en pleine nuit, il faut passer par un souterrain. Alors, il y a deux solutions. Tanakama, il nous dit, ben, tu sais quoi, il y a un souterrain qui passe sous la bira, sous le Kodesh HaKodeshim. Et sache que la Kdusha en dessous, dans ce souterrain, c'est pas super kadosh. C'est juste la Kdusha de Machane Leviya. Rabbi Elazar ben Yaakov n'est pas d'accord avec ça. Il dit non, on n'a pas le droit de passer sous la bira. Donc il va falloir forcément faire le tour, le tunnel, le souterrain, il faisait le tour externe. Il passait par ici pour enfin arriver ici et aller se tremper au mikvé. Première discussion. Deuxième discussion, une fois qu'on a fini, qu'est-ce qu'on fait? Il faut revenir. Mais après, qu'est-ce qu'on fait quand on revient? Sur ça, de nouveau, on a une nouvelle discussion. Selon Tanakama, eh bien, il a le droit de ressortir au Beit HaMoked. Il a le droit de remonter, il reste un petit peu à côté de... C'est comme ça s'expliquait dans Maseret Amit, c'est explicite. Et il repartait voir ses frères, les Kohanim. Il se réchauffe aussi au Beit HaMoked, c'est la nuit, il n'a pas de raison de tomber malade. Et d'avoir une pneumonie ni rien, c'est pas... Il fait froid, il a le droit d'entrer à l'intérieur. Maintenant, le Tiferet Israël explique là-bas. Attention, il rentre à l'intérieur, mais il n'a plus le droit de franchir cette barrière qui distingue la super Kdusha de la Kdusha inférieure. Alors il restera de ce côté-là. Tandis que selon Rabbi Elazar ben Yaakov, le partenaire nous explique que non, il ne remonte pas avec ses frères Kohanim, il attend gentiment en dessous, et il attend que les portes vont s'ouvrir. Et là ensuite, la Mishnah va me dire, Yosef Olechlo Batedi, et après il va sortir par la porte Teddy. Vous vous rappelez la porte Teddy? C'était dans la... Dans le Harabait, on a appris qu'il y avait 5 portes dans le Harabait. Il y avait 5 portes. Allez, j'essaie de l'accrocher comme ça, que vous le voyez vite fait. Voilà. Et il y avait ici une porte Teddy Minatsafon. Voilà, ici Teddy Minatsafon, Char Teddy. C'est une porte qui n'était presque pas utilisée, si ce n'était que pour le Baal Keri puisse partir le plus vite possible. Regardez la très courte distance qu'on voit à l'œil nu, vous voyez, entre tout le Harabait, le Mishkan qui était là, le Beit HaMikdash, enfin, concrètement la Hazara. Ici, on a le Beit HaMoked. Regardez, du Beit HaMoked jusqu'à cette porte-là, c'est la porte la plus courte. Il attend le lever du jour, dès qu'on a ouvert les portes, il sort directement. Le Gaon de Vilna explique que cette phrase va même selon Chachamim. En état, il y a peut-être une discussion, comme l'explique le Rachash, il me semble, je ne sais plus. Mais le gars, il nous dit, non, il n'y a pas de... D'après tout le monde, il faut mettre un point, il ne faut pas mettre une virgule. Ben, mais si ba olechet achat achayil, ça c'est la fin des paroles de Rabbi Elazar ben Yaakov. La Mishnah continue à me raconter, alors qu'est-ce qu'il fera ensuite? Lorsqu'on va ouvrir les portes, eh bien, Yotsev olechlo batedi, il pourra enfin sortir, par le teddy, sortir complètement du Harabait, parce qu'il a cette impureté. D'accord? C'était clair? Ouais. Donc très succinctement, je répète encore une fois très rapidement, le Kohen, il a eu son impureté, il doit partir se tremper. On enlève ce tapis, excusez-moi. Donc maintenant, le Kohen, il doit partir. Il est là, il doit partir se tremper ici. Selon Tanakama, il utilise un souterrain qui passe sous la Hazara, parce que c'est pas super kadosh, sous le souterrain lui-même. Selon Rabbi Elazar ben Yaakov, il doit faire le tour. Une fois qu'il a fini, il revient à sa place. Selon Tanakama, il remonte. Il se réchauffe, mais il fait attention de ne pas franchir la barrière. Selon Rabbi Elazar ben Yaakov, il ne remonte pas. Il attend gentiment, peut-être dans les escaliers, je ne sais pas où. Il attend que le jour se lève. Et puis, lorsque le jour se lève, il prend la direction ici pour sortir sur la porte la porte qui s'appelait Shahar Teddy. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. C'est là.